sœurs victimes de l'intolérance politique, injustement emprisonnées, comme Jamar Kabound, Mike Mukebaye, Gloria Senga, Robert Bunda et d'autres prisonniers. À ces vaillants combattants de la liberté, j'adresse mon soutien et mes encouragements. Tenez bon, les Congolais ne vous ont pas oublié. Votre place est aux côtés de vos familles et du peuple congolais. En ce moment crucial où l'intensification de la lutte est essentielle pour nous affranchir des chaînes de la dictature. Très chers compatriotes, en toute responsabilité, je demande à Monsieur Félix Tshisekedi s'il a l'amour pour les Congolais et les Congos de se raviser et d'intérioriser les slogans de Étienne Tshisekedi, le peuple d'abord. Le pays a besoin de la cohésion nationale. Nous devons nous réunir avec toutes les parties prenantes sous l'égide de nos pères spirituels afin de trouver des solutions adéquates pour défendre notre pays contre les agressions extérieures et également garantir des élections transparentes, impartiales et apaisées qui permettront au pays d'avoir des dirigeants légitimes. Il ne s'agit pas de partager le pouvoir, mais de sauver le pays de la balkanisation, de mettre fin aux crises politiques récurrentes et d'assurer le bien-être de notre peuple qui souffre. Au regard des défis géopolitiques et géostratégiques actuels du monde, nous devons donner au Congo-Kinshasa la place qui lui revient dans le concert des nations. C'est notre responsabilité collective. Vive la RDC et son vaillant peuple. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Bonjour, vous êtes bien sur Imo Motivation. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. La liberté n'est possible que dans un système politique démocratique où les gouvernements sont responsables devant leur propre population, où la loi est respectée, et où les libertés d'expression, d'association, de culte et le respect des droits des minorités et des femmes sont garantis. Freedom House. Selon Freedom House, une organisation non gouvernementale indépendante, le système politique de la République démocratique du Congo, RDC, est paralysé en raison de la manipulation du processus électoral par les élites politiques et est fortement influencé par un conflit de longue date dans l'est du pays. Les citoyens ne peuvent pas exercer librement leur liberté civile fondamentale, et la corruption est endémique. La sécurité physique est précaire en raison de la violence et des violations des droits de l'homme commises par les forces gouvernementales, les groupes rebelles armés et les milices, en particulier dans l'Est. Liberté d'expression et de croyance en RDC selon Freedom House. Bien que la liberté des médias soit garantie par la Constitution, les journalistes font souvent l'objet de poursuites pénales en diffamation, de menaces, de détention, d'arrestations arbitraires et d'agressions physiques dans le cadre de leur travail. En avril 2023, le pays a promulgué une nouvelle loi sur la presse qui, bien que décrite par des groupes de la société civile comme une amélioration par rapport à la loi sur la presse de 1996, a été critiquée pour ses dispositions qui permettent aux journalistes de faire face à des sanctions pénales pour leur travail, notamment pour avoir partagé de « fausses nouvelles ».
Des groupes de la société civile ont signalé une tendance à la hausse de la répression sous l'administration Tshisekedi. Tout au long de la campagne électorale de 2023, les journalistes ont été harcelés et attaqués par les autorités et les partisans des partis politiques. Au Nord Kivu, les rebelles du M23 ont ordonné à certains médias de modifier leur politique éditoriale. Sans le pouvoir, les idéaux ne peuvent être réalisés, avec le pouvoir, ils survivent rarement. Fidel Castro. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à Immo Motivation. Portez-vous bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo.